Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons regarder des coloriages. On m'a envoyé un message sur Instagram, là, je suis désolée, je me rappelle plus du nom de la personne, mais on m'a demandé de montrer tous mes Kirby Roseanne. C'est une vidéo à laquelle j'avais déjà pensé de faire, mais je me disais, je vais attendre d'en avoir plus parce que j'ai pas fait beaucoup de Kirby Roseanne. Parce que, pas que je n'aime pas ça, c'est juste que les colos me découragent, parce que je trouve qu'ils sont gros et longs à faire, donc je suis moins tentée d'aller colorier du Kirby Roseanne. Moi, j'aime pas passer trop de temps sur un colo, ça me tanne, j'ai envie d'aller faire d'autres colos, d'avancer mes autres livres, donc voilà pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de Kirby Roseanne. Donc là, j'ai placé les petits post-it, et moi je n'ai pas une grosse collection non plus de livres de Kirby Roseanne. Je pense que ce que j'ai là, ça me convient, à moins qu'il sortirait un nouveau livre que j'aurais vraiment un coup de cœur, comme le Fragile World, parce que j'avais dit que j'en achèterais plus, mais quand j'ai vu le Fragile World, j'ai craqué. Donc, c'est celui que j'ai le plus avancé. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le Photomorphia. Ça sera pas très très long parce que j'ai fait un seul colo. Et de toute façon, je n'aime pas ce livre-là. Moi, je l'avais acheté chez Walmart et j'aime pas le fait que les dessins, on dirait qu'ils sont pas au complet dedans. Donc, voyez, comme le loup, il est pas complet dans le livre. Je vais essayer de pas dire de bêtises, là, mais il me semble, je vais vous montrer ce que je dis, voyez. Il n'est pas tout là. Et si on regarde sur l'image, on le voit au complet. Mais ça m'a dérangé un petit peu. Donc, puis c'est pas ses plus beaux colos, je trouve, qu'il y a dedans. Mais ça, bon, c'est mon avis personnel, hein. Et vous voyez que j'ai rien fait à part celui-là. Que j'avais suivi le tuto de Steph Color 63. Hein, vous savez que j'admire Steph Color. Je trouve qu'elle fait des mises en couleur merveilleuses et j'avais adoré sa version du château. Bon, j'avais pas tout ce qu'elle avait, donc j'avais essayé de faire mon gros possible pour la suivre. Et je suis quand même pas mal satisfaite du colo. Donc voilà ce que j'ai fait dans le Photomorphia. Hein. Je me rappelle que c'était au Prismacolor, il me semble, et le fond, c'est de l'encre Distress. Donc, ça fait quand même un bout que je l'ai fait. Donc, voilà, pour le Photomorphia. Pas plus compliqué que ça, j'ai fait que ça. Là, on va garder le Fragile World pour la fin, puisque c'est dans celui-là que j'en ai plus fait. Donc, j'ai le World Witting World, et j'ai fait que deux colos, et ce sont pour moi deux ratés. Il y a d'autres colos, par exemple, qui me tentent dedans, parce que moi, j'aime bien Kirby Roseanne quand c'est une page simple. Les doubles pages, vraiment, ils me découragent. Donc, lui, il y a quand même pas mal de... Là, je sais plus, là. Il y a quand même pas mal de pages simples dedans. Donc, je pourrais peut-être l'avancer un petit peu plus. Comme ça, ça serait pas si long à faire, là, la petite boule. Mais voyez-moi ça, là. Des images comme ça, ça me décourage. En plus, c'est répétitif. Je sais que je vais me tanner à un moment donné. Puis, je vais passer des jours et des jours là-dessus. Donc, ça me tente pas. Donc, quand je choisis des Kirby Roseanne, souvent, j'y vais avec les pages simples. Donc, j'avais fait ça. Et ça, c'est le premier Kirby Roseanne de tout que j'ai fait. Et vraiment, je le trouve laid. Le fond est raté. Je me rappelle que c'était du Neocolor 2. J'avais voulu tester. Ça faisait pas longtemps que je les avais. Je les maîtrise toujours pas, d'ailleurs. Un peu plus qu'au début, mais c'est pas encore ça. Et je maîtrisais pas bien non plus mes polychromos. Ça faisait pas longtemps que je les avais eus. Et je me rappelle que j'avais tout fait au polychromos. Et j'avais même pas de sticule dans ce temps-là. Je mettais de la colle en bâton et je saupoudrais avec des paillettes pour mettre de la paillette. Et j'avais mis ça dans ma lune. Donc, il est pas laid, hein? Mais je sais que j'aurais pu faire mieux si je le ferais aujourd'hui. Il serait plus beau que ça. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite... un autre colo que j'ai fait. Et là, celui-là, je l'aime bien. Et ça, c'était pour un thème dans la banque Colo d'Azur. Je crois que c'était mon premier thème de tout. Quand j'avais commencé à faire des thèmes dans la banque Colo d'Azur, c'était les pommes. Et moi, j'avais eu un gros coup de cœur pour cette image-là. Je sais pas pourquoi. Vous savez, j'adore colorier des fruits. Donc, vraiment, je m'étais beaucoup amusée à le faire, à part les feuilles vertes. Je me rappelle que c'est dans le temps que j'aimais pas d'en faire.
Mais maintenant, j'aime ça, faire des feuilles vertes. Faut croire que, à force d'en faire, j'ai fini par aimer ça. Mais bon, je l'aime bien, celui-là. Je le trouve encore très beau. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans le World of Witting World. Et celui-là, on dirait qu'il y en a encore plus de détails que dans les autres. Vraiment. Et j'avais vu Mélissa qui avait fait lui, c'était super beau. Mais là, moi, ça fait une couple de mois que je l'ouvre, puis je regarde cette image-là. Donc, ça se peut que éventuellement je la mette en couleur. Il y a de la belle verdure que je préfère couleur jungle. Et puis de l'eau en bas, je vais faire au distress. Donc, je pense que ça pourrait être assez rapide. Et là, je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, parce que la vidéo, c'est censé être pour vous montrer mes colos de Kerberosa. Là, vous savez, hein, je suis ma mère. Ensuite, Mythomorphia, j'en ai fait 3. Et celui-là aussi, je le trouve décourageant, ce livre-là. Il y a tellement de détails dedans. Mais en même temps, les colos sont magnifiques. Ben, pas mes colos, hein, mais les images sont magnifiques. Donc, celui-là, je pense que j'avais dû passer 2 semaines dessus. Je le trouve encore beau, à part le fond. Je crois que je pourrais peut-être venir le reprendre, tout le couvrir en noir. Je pense que ça pourrait être plus beau parce que ça ferait tout ressortir les éléments. Et c'était dans les premières fois que je faisais aussi des effets là de lampe. Vous voyez ici, là, j'avais fait un effet de lampe qui reflète sur mon personnage et j'étais bien fière de ça. J'aime bien mes petites bûches ici, je les trouve belles. Donc, bon, pas complètement raté. Mais bon, peut-être que je pourrais améliorer le fond et je pense que ça serait mieux. C'était du Néocolor 2, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-ci. Celui-là, je le trouve encore beau. M'avait quand même pas pris trop de temps et je me rappelle que j'avais bien aimé le mettre en couleur. C'est un peu féerique, hein, avec un petit gnome, un troll, je sais pas trop. Là. Moi, j'ai vu ça comme un gnome. Donc, j'avais tout fait le fond avec les Prismacolors et je m'étais bien amusée. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait... Ah oui, bien ça, là, vous l'avez vu dernièrement. Hein, j'avais fait, je crois, un Color and Chat avec sur la chaîne. Et moi, je l'avais fait pour une copine qui voulait l'offrir en cadeau à son fils. Et elle me disait, aide-moi Zazu, ça fait 3 fois que je recommence. Puis là, bon, on savait pas trop comment on allait fonctionner vu qu'elle, elle était en France. Donc, j'avais fait le colo et je lui avais envoyé pour qu'elle puisse l'imprimer de chez elle. C'est sûr qu'elle avait pas tous les effets, mais elle était bien contente. Puis ça m'a fait plaisir de le faire pour elle. Et vraiment, je l'ai fait pour lui faire plaisir parce que vous savez que j'aime pas les serpents. je l'ai trouvé long à faire, mon Dieu! J'étais en train de devenir folle, mais je suis satisfaite du résultat, au moins. Donc, voilà, pour celui-là. Donc, c'est tout pour le Mythomorphia. Hein. Comme je vous dis, je n'ai pas fait beaucoup du Kerberosan, donc je le fais parce qu'on me l'a demandé, mais moi, j'avais l'intention d'attendre un petit peu pour avoir plus de contenu à vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Dans le Fragile World, c'est celui que j'ai le plus avancé et c'est aussi mon préféré de Kerberosan. Il y a beaucoup de pages simples. On a quelques pages doubles, mais je sais pas, on dirait que c'est pas si long que ça, le faire. Peut-être que ce serait la même chose pour les autres livres, hein, mais on dirait qu'il est... Lui, je sais pas, les détails me font moins peur. Donc, j'avais fait celui-là et c'est le colo que vous avez le plus aimé sur mon Instagram. C'est celui que vous avez le plus aimé. Donc, là, dans mon Fragile World, je peux pas critiquer, je les trouve toutes beaux. Donc, je vais vous les montrer comme ça. Ensuite, j'ai fait celui-là, qui était mon ours polaire. Et vraiment, j'avais adoré le mettre en couleur. Hein. Il y a plein de bleus, donc je me suis amusée comme une folle à faire mes effets de bleu. Et j'ai adoré faire l'ours polaire dans le glacier. Je vous avais fait un tuto pour les aurores boréales aussi. Sur la chaîne, je vous le mettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, ben là, ça spoil un peu, mais bon, on spoil pas vraiment puisque le colo est tout en vidéo sur la chaîne. Donc si vous avez envie de voir la réalisation ou que vous avez tout simplement envie de le reproduire, c'est Colorions Ensemble de ce mois-ci. Je vous mets les vidéos dans le petit si vous ne les avez pas vues. Donc, vraiment, lui, j'ai adoré le mettre en couleur. Je suis super satisfaite aussi. Je trouve qu'il est bien vivant, belle couleur pep. Donc, voilà pour le petit papillon. Ensuite, dans le Fragile World, j'avais fait celui-ci, mon aigle,
que ben, j'avais essayé de le reproduire exactement comme ce que j'avais vu sur Internet, les couleurs de l'oiseau. Et ben, c'est pas exact, mais quand même, je suis satisfaite du résultat. J'avais aussi reproduit le tuto de Steph Color, encore une fois, pour ces nuages rouges que j'avais bien aimés. Et voilà, c'est tout. Là, le fond, c'est de l'encre distuée. Et je crois que j'avais fait mon oiseau au Prismacolor. Et mon arbre, bien sûr, au Derwent Drawing. Donc voilà pour lui. Ensuite, j'ai fait. Oh, j'ai en train de perdre mon post-it. J'ai fait ma chauve-souris. Et celui-là aussi, j'ai adoré. Ben, dans le fond, je m'amuse toujours hein, en faisant l'écolo dans ce livre-là. Ça me fait pratiquer pour mon effet poêle, pour les effets des arbres, des fois, les feuilles, essayer de nouveaux combos. Donc vraiment, je l'adore ce livre-là. Et ben, celui-là, j'avais fait le fond avec du pan pastel et je crois que le reste est tout fait au wallpaper. Oui, il me semble que je vous avais fait un tuto pour les feuilles aussi, mais je suis pas certaine. Ensuite, dernier colo dans mon fragile world, c'est mon léopard. Et celui-là aussi, il est tout au complet en vidéo sur la chaîne, puisque c'était un des colorions ensemble. Je me rappelle plus, là. C'était-tu un des colorions ensemble où j'avais juste fait un Color With Me Kirby Roseanne? Ouais, c'était juste un Color With Me, c'était pas un colorion ensemble, mais je vous l'ai tout fait sur la chaîne. Donc, si vous avez envie de voir la réalisation, ben il est tout en vidéo et je crois qu'il y a deux parties. Ou une, non, je l'avais fait en une partie. Je sais pas, je suis perdue. Le fond, il me semble que c'était du pan pastel. J'avais fait une base aux encres Distress pour le léopard. Et le reste, je crois que c'est du Prismacolor, mais je suis pas certaine. Et les arbres, ben, c'est du Derwent Drawing. Et j'avais mis aussi du Mod Podge sur ma neige. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait en Kirby Roseanne. Je sais, ça fait pitié, mon affaire. Mais comme je vous dis, je les trouve super beaux, mais en même temps décourageants un petit peu, ces colos-là. Et comme moi, j'aime beaucoup me promener dans mes livres, j'aime pas rester trop longtemps sur un colo, mais bon. Faudrait que je fasse toutes les pages simples. Je pense que ça me motiverait s'il y en aurait plus dans mon, mettons, le World Within World et le Mythomorphia parce que le fantôme Orphia, bon, je vous l'ai montré, mais il est plus à moi, je l'ai donné à mon fils. Parce que lui, il avait envie d'en avoir un, puis lui, il aime les colos dedans, donc je lui ai laissé. Donc, je vais pas me réavancer dans le Mythomorphia. Donc, j'ai juste ces trois-là de Kirby Roseanne et c'est bien assez. Donc, peut-être que si j'avancerais, mettons, les pages simples, si je verrais qu'il y a plus de colos de filles dedans, je pense que ça m'encouragerait à aller dedans. Donc, tu sais, peut-être faire les petites pages comme ça, c'est pas trop long, mais les grosses pages de même, là, il y a du boulot là-dedans, hein? Ça, c'est pas trop ce que j'aime, mais bon. Celle-là, ça fait longtemps aussi que j'aurais envie de la mettre en couleur. Donc, on verra cette année, voir... Ben, cette année, l'année achève, mais bon, en tout cas, je vais essayer de les avancer un petit peu plus. Il faudrait bien. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo-là. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo d'Azou qui est sur Facebook, c'est mon groupe de coloriage, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.